Bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à utiliser la plateforme de e-learning de Au-delà Plongée. Dès qu'on arrive sur cette plateforme, après s'être connecté, on arrive sur le tableau de bord. Le tableau de bord qui recense tous les cours qu'on est en train de suivre, auxquels on est inscrit. Ici, on voit qu'on est inscrit uniquement au cours niveau 1. Il y a pas mal d'options de personnalisation, on peut aller voir son profil, modifier certaines choses. Ici, on va s'intéresser uniquement à la façon de suivre un cours. Pour suivre le cours niveau 1, on peut cliquer soit ici à gauche dans le menu sur N1, soit ici sur la petite icône. Et les deux nous ramènent à la page d'accueil du niveau 1. Le niveau 1 est découpé en plusieurs chapitres qu'on retrouve sur cette page d'accueil, donc la réglementation, la pression et les volumes, etc. On retrouve également ces mêmes chapitres ici dans le menu sur la gauche. Menu sur la gauche qu'on peut masquer à l'aide de cette icône en haut pour avoir le cours en plus grand. Donc si je veux commencer mon cours niveau 1, je vais cliquer sur le premier chapitre, la réglementation. On a tout de suite une petite pop-up qui nous explique comment terminer l'activité. Chaque chapitre est constitué de deux parties. La première partie, c'est le cours que vous allez devoir lire, comprendre et retenir. Donc pour valider cette partie, on voit qu'il suffit de consulter, donc d'afficher la page. La deuxième partie, ça va être un test des connaissances pour vérifier que vous avez tout bien compris. Donc là, pour valider le test des connaissances, il va falloir l'afficher, il va falloir recevoir une note et avoir une note supérieure à la note exigée pour valider le test. Pour lancer le cours, je vais cliquer ici sur la réglementation, le cours. Donc là, toujours pareil, on a la petite pop-up qui va nous informer sur l'état de l'activité. Donc ici, il suffisait d'afficher, donc en fait, on a terminé la partie cours. Bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est de lire et de comprendre le cours. Donc, au début du cours, on a les objectifs, ce qu'on va devoir retenir pendant ce cours. Et ensuite, tout de suite à la suite, on a le contenu. Voilà, ça je vous laisserai prendre connaissance du contenu. Une fois qu'on a lu le cours, on peut passer au test en cliquant ici en bas à droite. Donc, je clique et j'arrive sur la page d'accueil du test et ici on retrouve les trois petites choses qu'on doit faire pour valider le test. Pour commencer le test, je clique ici en plein milieu sur faire le test. Facile. Et ici, j'ai toutes les questions qui s'affichent. Donc, je vais répondre au hasard aux questions. Quand j'arrive en bas, je vais mettre « Terminer le test ». Ici, j'ai un petit récapitulatif qui me dit que mes réponses à chaque question ont bien été enregistrées. Si, par exemple, une des réponses n'a pas été enregistrée, vous pouvez cliquer ici sur « Retour à la tentative ». Ça renvoie vers le test et on peut modifier, par exemple. Je reclique sur « Terminer le test ». Là, je suis sûr que toutes mes réponses sont correctes. Je clique sur « Tout envoyer et terminer ». La petite confirmation. Et là, j'ai tout de suite le résultat du test. J'obtiens une note de 2 sur 9, ce qui n'est pas terrible. On voit que les réponses aux questions 1, 2 et 4 sont incorrectes. La 5 est correcte et la 3 est partiellement correcte. Donc voilà, à chaque fois, on a des petites explications et des petites indications. Et maintenant, on a deux possibilités. Soit on retourne voir le cours, puisqu'on n'a pas tout compris et il est préférable de relire le cours. Soit on passe au chapitre suivant, ici en bas à droite. Mais dans ce cas-là, il faudra à un moment donné revenir faire le test au moins pour valider le test. Soit on peut cliquer sur « Terminer la relecture » et ici « Effectuer de nouveau le test ». Voilà. Ensuite, pour naviguer, évidemment, le chapitre précédent, le chapitre suivant,
Ou alors, on peut directement sauter à un endroit que l'on souhaite via cette petite fenêtre. Voilà, merci de votre attention et bonne formation. Thank you.